Bonsoir tout le monde, nous comptons porter pour une dernière sortie téléjournal la semaine là. Merci pour fidélité à la télévision nationale, mais quelques points pour le développer. Chrétien catholique dans la commune Maniche, département sud pays, a célébré fête Sainte-Rose jeudi, qui était 23 d'août là. Fête ça a déroulé dans le moment caravane changement a construit plusieurs routes dans la commune ça. Dans la ville Jérémy, le point a bien pour développer plusieurs citoyens dans la capitale là, fait un sit-in devant le local la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif vendredi 20 compte publié rapport sous dossier Petro Caribea. Et puis, office management à ressources humaines, OMRH, a préparé pour mettre sous pied un nouveau corps fonctionnaire public capoté non, corps ingénieur à architecte. Nouveau corps ça rentré dans le cadre de réforme administration publique là. Pour ça, avec un pilote pour le parler dans le journal à Soya, n'a pris premier pause. L'autre fois, n'a salué tout le monde et n'a démarré le journal là avec prévisionniste nous, William Polidor, qui pourra le parler nos conditions temps. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui à Prévision Météorologique. Nous c'est seule télévision dans l'Ouest qui a bon comment condition météorologique là et sous pays et en Ouest à Kounia. Malgré en altitude gagne un creux qui trouve lui au niveau de pays d'Haïti, mais par rapport avec Ondio qui éloigne pays à nous gagne un temps qui plus ou moins stable au cours de jeudi et même jusqu'à demain. En attendant que dimanche nous gagnons une nouvelle onde tropicale qui arrive sous nous et onde tropicale ça dimanche capable bail activité la vie et c'est vous ça demander moun yo faut yo rete veatif et faut attendre bulletin météo la vie cap isolé mais aussi faible qui cap modéré sous quelques départements mais à part de ça pour jeudi vendredi et demain samedi c'est vraiment des arrêts sectoriels que n'a bien mais à partir de dimanche n'a bien augmentation de l'activité la vie par rapport avec nouvelle onde tropicale ça cap arriver sous nous samedi soir à dimanche et peut-être ça nous demande moun qui rete dans zone qui a inondé qui a bien quelques convections sous situ sous tête monio situ mon lancel. Cela veut dire que vers le sud et le sud-ouest de capitale en a gagné quelques averses là puis capable sectoriel et même isolé. Cela veut dire que c'est pas toute quartier au cap concerné par activité la brisaille au cours de soirée pour jeudi à une montée température qui a monté jeudi à jusqu'à 36 degrés puis voilà descendre dans ces 25 degrés n'a pas senti effet de chaleur non seulement journée mais au cours de nuit là en attendant que nous commençons c'est gagné une baisse de température. Page astronomique dans soirée là a couché jeudi à 7h10 et l'a levé demain à 6h33. Merci pour filer toi avec attention. N'a croisé lundi pour la Weekend de Wilner Polidor n'a continué à chrétien catholique dans la commune Maniche, département sud pays, qui célébrait fête Sainte-Rose jeudi, qui était 23 d'août, qui s'est passé. Fête ça déroulé dans le moment caravane changement a construit plusieurs routes en de Maniche, spécialement rue métropolitaine qui passait devant l'église Sainte-Rose de Lima. Pèlerin et autorité locale ont applaudi réalisation ça. Sabine Jean, Jean-Naël Duvernay. Là qui bétonné depuis la tête rue métropolitaine pour aller bout puis l'église là. Pendant visite li nan Maniche, président républicain Jovenel Moïse te promet avant fête Sainte-Rose de Lima arrivé, gen oui nan Maniche kap déjà commencé bétonné. Une réalisation participant yo applaudi. Dans 18 communes qui ont département, seul Maniche pas de grenade qui sous. Dans un an, nous faisons deux rues et nous pouvons continuer. L'année prochaine, nous venir. Tout le Maniche a pris une bétonné. Moi, c'est la tête de l'homme. Troisième bagaille qui gagne. Faut me dire président merci encore. Président Jovenel. Mais président Jovenel fait Maniche même 4 fois déjà. Dès qu'on ça, ça veut dire route la télé. Son côté, 2 machines pas de quoi croiser. Mais qu'on y a nous, c'est comme un boulevard qui a venu. Tout constater, Maniche content, l'église a un gros travail qui fait. Et si vous constatez, il y a ensemble activité qui réalise, qui pas seulement messe officielle là, ça nous relève fête populaire là, qui c'est bal, qui c'est festival, qui c'est course, qui c'est ensemble activité qui réalise. Pour ça, sénateur mette main, député mette main, il te dit, dès que le saut sous campérin, la virée sous Maniche, donc, son gros développement, son gros espoir pour mon Maniche, jeudi à sous garde centre-ville Maniche, qui bétonné, donc, c'est un gros espoir pour mon Maniche, ça va. Pays, mais tout, c'est vastement processus pour connecter communio, une à l'autre, dans tout pays.
n'a profité d'abord féliciter le gouvernement parce que l'Iran était un support vraiment énorme. Là, on a gardé belle infrastructure qui commence à faire dans Maniche. Donc, nous-mêmes, je dis à nous, ça nous fier parce que le gouvernement lui-même, il était promet, ça a été promet là, il commençait avec eux. Nous-mêmes, comme dans nos présidents, dans nos amis sud, l'association des maires du sud, ce que nous toujours fait. Rentrer dans chaque commune, chaque côté fête à fêter, à chaque fois que nous avons l'occasion nous-mêmes pour nous capables de fêter avec eux, participer avec eux. Donc nous toujours fait ça et je dis à merci Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Plusieurs citoyens dans la capitale là fait une sit-in devant le local la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif vendredi 24 août là. Objectif c'est sit-in là c'est pour demander membres conseil la Cour supérieure des comptes yo prendre responsabilité yo dans dossier Petro-Caribéa. John Herbie Casseus, Fresnel Toussaint pour un reportage. Est-ce que la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif tente une enquête sur l'argent qui est déjà dépensé dans Fort Petro-Caribéa? Si oui, dans quel niveau oui? Depuis le Sénat République, là, envoyé dossier dans la Cour des comptes, qui sa membre conseil en fait déjà? Si a présenté un rapport enquête, qui l'a prévu à faire ça? Si quelqu'un a une question, citoyen s'est opposé devant le local de la Cour supérieure des comptes vendredi 24 août 2018. Là. Donc, nous venons là, parce que nous connaissons le Cour des comptes, cabane nous. Rapport sur ça, nous venons là, nous venons poser la question. Et question ça, nous besoin de réponse là. Non. Selon you, la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, qui c'est cette institution qui est autorisée pour mener enquête et produire rapport sur comment à qui j'ai dépensé COP dans boîte d'État, lui bail explication sur les dépenses qui fait dans le fonds Petro-Caribéa. Nous venons là en tant qu'une institution symbolique. Parce que nous est constitutionnellement, c'est le Cour des comptes qui est responsable pour le bagage. Et bien, je dis, légalement, nous venons là, nous venons faire des voies civiques, nous, des voies citoyennes, nous venons demander au Cour des comptes pour la responsabilité. Initiative ça, pas de rien pour le mouvement politique. C'est une action citoyenne liée d'après manifestants. Le reportage John Herbie Casseus avec Fresnel Toussaint. Travail réhabilitation route dans ville Jérémy a continué. Habitants qui vivent dans la zone Sayo exprimer que content pour travail Sayo qui rend. Route du Chitia dans phase pour finir. En pile dans yo kwè yo pa tab gen espoir pour réalisation travail sa yo à cause en pile l'autre gouvernement passé pas porter aucune attention sur mauvais se trouvé yo depuis quelques années. Yo kwè réalisation travail sa yo pral faciliter yo mener yon série activité sociale et puis empêcher moun victime les saisons la pli ak cyclone. Jodi an la w ap gade que développement ou affaire route c'est gros bagay nan pays a men. Route c'est développement lié. Depuis ouais route ouais développement. Et puis n'a dit président, nous souhaitons que l'Ikembe même aller à même pour continuer toute route dans le département parce qu'il y a un peu l'autre côté qui besoin route tout. L'on prend Damari, on prend toute l'autre commune, il y a besoin route tout. N'a dit président, Kembe là avancer parce que nous ouais que affaire route là li capable devenir une réalité pour pays amen. Nous dit président merci. N'a dit Kembe là encourager. En forme, je pense que nous pas de gain route, manger depuis gain route là gain la vie parce que quand il va falloir elle lui fait une tête là pour en pile de travail là parce que chaque lait là puis tomber boy c'est nous toujours bon la boue. Après la boue on laisse soleil vient lever son poussière encore nous comprend. Ça veut dire même si céramique besoin mettre la cala là nous on va mettre la cause de poussière. Comprend? Après nous vient asphalter route là bon la petite céramique là et puis nous vraiment content des activités qu'a fait là. Travail réhabilitation route qu'a réalisé yo dans plusieurs départements de dans pays yo dans objectif pour améliorer conditions vie population. D'après chef l'État, caravane changement permet d'embrasser divers problèmes dans divers domaines ville provinciale a fait face. Ça aide autorité yo gagnon pilage connaissance et compréhension sous difficultés zone reculée yo a confronté d'après dirigeant yo. Travail asphaltage yo pa campé dans carrefour bac dans ville Jérémy. Premier bagage la fois coûte la fête pour joindre un passage pour faire l'autre activité. Ça me cavoye dit président, seulement capable dire Kembe là, c'est pas ni hier ni jodi, n'a tonne route ça, nous t'a souffri en pile. Mais journée jodi a, ça vient tourner en réalité pour nous dans grandance. Mais seulement ka dit président, Kembe là pas moli,
et récompensé par l'homme, mais n'a pas sorti, c'est l'homme, bon Dieu, et m'a gagné l'argent, ni l'eau pour m'bali, seulement Kembe là, et chemin le veut prendre, d'assurer que Kembe là pas garder derrière, et sans découragement. Là, attends, mauvais état, moi, je prépare, je suis bien content, je suis à tête, vous lui faites plus haut toujours. Ça va, ça me fait un compliment pour travailler là, je demande bon Dieu pour Kembe là, ferme, jusqu'à la fin. Dans toute commune, non, président, quand je passe, pour que je me travaille ça, et celle d'une nouvelle, il me dit, président Jonel, ou si Antoine fait le compliment, bien content. Moi, travaille là, fait très bien parce que ça a son espoir de toujours. Nous t'as souhaité pour le temps, je le commencer à puis t'as prolongé le pied devant, parce que le pied devant plus mal. Après ça, nous faisons un bel travail qui a fait. Quand il y a travail, on a commencé à faire mon compte ça. Parce que mon cher, nous ne pouvons pas espérer si nous avons un travail ça. Moi, je commence à faire pour nous. Nous demandons au président pour continuer avec le travail de la toujours pour nous. Ça, je commence à faire pour le faire l'aller. Depuis qu'il y a août, il y a un développement. Si tout le temps que travaille, normalement, depuis que travail continue, et puis, en plus, le monde a un encouragement, vient dans le pays. Je remercie le président pour la compréhension. Chambre députée a signé vendredi 24 août là un protocole accord avec Fédération Haïtienne Football pour 5 l'année pour supporter football femme. Avant longtemps, il y a 3,5 millions de goudes qui pourraient le débloquer pour Fédération a commencé à faire un championnat national football féminin. Coupe ça a gagné pour le. Depuis avant, et sélection nationale U20 qui est qualifiée pour dans la Coupe du Monde avec Fédération Nationale de Football. Là, désormais, c'est la Coupe du Parlement. On a pris tout en charge, on a financé et équipe et championnat. Et championnat lui-même, nous, dans la Coupe du Parlement. Mais tout de suite, nous allons débloquer pour Fédération 3,5 millions de gouttes pour être capable de commencer le travail sur le championnat conformément à thème accord. Mais son accord qu'il a sous 5 ans pour développer le football femme. Donc, nous avons demandé pour l'autre institution, l'autre sport, nous connaissons le basketball, le football, le garçon. Mais après ça, Timon a fini là. Je pense que c'est des Timon qui fait des exploits. C'est des Timon qui ont détecté qui ne peuvent pas jouer au football dans le club, qui étaient dans la rue, qui ont joué au football, bolaka, etc. Donc, experts dans la fédération ont détecté. Aujourd'hui, regarde qui résultat nous gagne. Donc, si c'était Timon qui a joué dans le club, peut-être nous avons remporté le championnat. Sous même dossier ça a gagné. Ajeur nous gagne c'est financer compétition. Longtemps match c'était qu'on jouait équipe était obligé de bailler un cob à chaque match et 80% dernièrement équipe pas capable bailler cob là. C'est avec cob là pour payer arbitre, pour payer commissaire pour que le championnat ca continuer. Depuis 3 ans ça nous fait équipe même équipe première division eux pas capable. Nous étions en accord avec Canal Plus, ce qu'on est, et en ça, nous signons un accord avec FIFA, qui aide nous payer arbitre à payer commissaire. Équipe féminine, nous même bille la pivot toujours. Parce que équipe garçon, nous payons arbitre à commissaire pour eux, mais équipe féminine, nous faisons payer transport pour eux, faisons payer uniforme, faisons payer souliers des fois, et ensuite, même leur bras jouer, comme pour manger en vent, faisons payer. Donc, championnat féminin extrêmement coûteux. Chaque temps qu'on joue le championnat dans la fédération, chaque vendredi, c'est 500 à 600 000 gros besoins. Ils n'ont pas de budget. Oh, mais nous cherchons les. Nous cherchons les. Nous convaincons les députés qu'ils sont capables de nous aider. Il faut payer l'école pour eux. Il faut payer la famille. Il y a des gens qui maman et papa, je prends eux. Chaque temps qu'on a un gros problème dans le cas là, c'est nous-mêmes qui frappons les portes. Donc, nous avons besoin. Énormément. Non! Un peu plus de pour une compétition pour le faire. Son volet important, c'est pas compétition, j'ai mon dit, qui va le faire progresser, mais compétition à permettre que nous créer spectacle, nous créer distraction, nous créer popularité et nous joindre des talents. Question, chambre député, John Anoussa Bernard, à deuxième secrétaire, Gerda Benjamin, dit administration chambre non, à bail chaque joueuse U20, yon subvention, en plus yon smartphone. Député John Anoussa Bernard, à Gerda Benjamin, encourager l'autre secteur, c'est même gens à chambre député à supporter football femme. Et yon extrait dans le micro Fedner Confident. Avec Moïse Wilbridge. C'est plus vite que possible pour nous qui élément de solution nous avons apporté. Je crois que nous avons attiré l'attention, c'est à travers l'intervention du président de la Fédération haïtienne. Mesdames, il y a un problème et l'école, je dis, il faut d'accord avec même que on pas avoir des jeunes petits monde comme ça, 15-16 ans, pour qu'on ait des carrières du haut à jouer au football seulement, ça ne peut pas encourager à l'école. C'est que nous prenons acte de problème ça, pour que nous-mêmes, à travers des résolutions, et dans la Chambre des députés, nous prenons comment nous sommes capables de faire des exigences au niveau de l'exécutif.
pour résoudre le problème ça, pour au moins côté mesdames et dans cette là pour nous garantir comme autorité responsable yo joindre bon Jean pain d'instruction. Gè des bagages et président fédération en parler c'est pas apparemment banal. Comment comprendre des jeunes comme ça qui jodi a qui sont vendre une image positive une fois dans le pays, ce n'est pas quand tu boules là seulement y a vendre, mais c'est montrer nous-mêmes tout ce que nous capables de faire. Je dis après mon problème parce que y a pas trop compétitif sur le marché de football à cause de anglais ou babalé. Ça c'est une bagarre que nous discutons avec le président. Comment à travers les taxes sont capables de dégager? Nous prenons note, faut qu'on bagarre qui vous dit et pour premier pas fait c'est là dans le parlement haïtien vous le faites à travers façon. Nous allons regarder comment ils traitent nous dans le budget national. Je le dis, nous connaissons Chimé en langue, mais nous conseillons pour nous continuer à garder devant. Dans la bataille, nous menons pour nous faire Haïti nous représenter tout côté, toujours avec fierté. Nous remercions les familles, responsables, entraîneurs, pour façon que yon encadre nous, pour façon yon appuyer nous, malgré chalan lourd, mais yon accepte côté. Je dis à moi, c'est obligation pour parlement haïtien à aller aider la sélection nationale là pour que chalan, parce que nous sommes fiers de nous tous. Je demande au nouveau gouvernement de porter contribution par yon dans le pays. Mesdames, pays a compté sur nous. Mesdames, pays a fier de nous. Toujours au niveau parlement, président Chambre députée a confirmé, malgré deux C sous projet loi finance rectificatif là, assemblée députée yo pas arrivé voter budget ya. Député Delma Garibodo dit l'espérer mardi prochain, assemblée députée yo a approuvé budget ça. Yo extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Elle n'a pas arrivé voter hier, elle n'a pas arrivé voter avant hier. Donc, c'est pas parce que nous n'avons pas voulu voter, mais c'est parce que nous travaillons sur lui. Donc, nous travaillons sur le budget, donc c'est un sur long. Donc, mardi, nous avons mis le budget au vote encore. Donc, j'espère que nous avons bien voulu faire un peu de travail sur lui, donc nous avons voté. Nous avons parlé de budget 18-19 là, nous avons rappelé que le gouvernement était rappelé par rapport à manque à gagner 19,4 milliards de gouttes qui étaient gagnés dans la question prix gaz là, de laisser monter. N'a pas poursuivre avec Office Management et Ressources Humaines, OMRH, et qui paré pour mettre sous pied dans le jour qui vient, il y a un nouveau corps fonctionnaire public qui a porté nom, corps ingénieur micro Ruben Dumont, dans l'émission mise au point sous TNH. Il y a un corps, ça lui-même, il y a la donnée pour prendre promotion à l'intérieur de lui-même et fait que ça a augmenté nous. Et pas un monde pour belle figure, il n'y a pas de promotion. Non, il est automatique encore. On monte d'année en année, jusqu'à ce que vous finissez une carrière. Et ça fait que nous liés question corps là avec une question de carrière et nous liés question carrière là tout avec une exigence de la Constitution. Ok? Donc c'est comme ça le fait. Donc nous parlons de corps dans la fonction publique la même. Mais cependant, si nous parlons d'ingénieurs et tout, même gens avec question de avocats et tout, il y a corps qui régit tout. Gagné, excusez-moi, c'est le Collège national des ingénieurs et architectes d'Haïti. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que au sein de la fonction publique, me montrer, il y a un nom et moi, je ne pas contre côté mieux. Tandis que l'on a quoi qu'on y a là, ou entre aujourd'hui là, après 15 ans, on compte à pied. Mm-hmm. Après 20 ans, on compte à pied. Après 25 ans, on compte qu'on à pied. Donc, en d'autres termes, on est capable de faire carrière vraiment dans la question, dans la fonction publique là. Donc, c'est l'ordre que nous avons mis à partir de réforme là, c'est l'ordre que nous avons mis dans la question fonction publique là, de manière à ce que pour les gens qui rentrent, capable de faire carrière vraiment. Les fonctionnaires rentrés, les fonctionnaires supposés faire carrière. Et pour faire carrière, ils supposent faire carrière dans le corps. Ça peut qu'on gagne en Haïti. Mais en fait, gagne de trois corps, gagne corps des comptables, corps des inspecteurs et financiers, etc. Mais cependant, c'est une pratique qui est généralisée. En principe, il est supposé rentrer dans le corps. Parce que songez bien que être fonctionnaire, c'est un métier. Et métier ça, vous pouvez exercer métier ça à l'intérieur d'un corps. Ok. Donc, et l'année dernière, nous avons lancé un corps, ou bien nous avons monté un corps
c'est quoi des administrateurs civils d'État et des ingénieurs civils et d'architectes, nous dit, dans la fonction publique. Et donc, quoi ça, c'est encore pour encadrer. Encadrer une série d'institutions. Parce que nous avons fait corps d'administrateur civil d'État, c'était vraiment un corps de gestion, l'ITE, ma question. Ça lui-même, c'est un corps technique d'encadrement. Par exemple, ministère des Travaux publics, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Éducation nationale, etc. Tout ministère ça a occupé besoin des ingénieurs. Il y a gagné une série d'ingénieurs là-dedans, qui a aidé à monter une série de dossiers, des dossiers techniques, et qui a aidé à tout faire des supervisions des grands travaux publics aussi. Donc il y a des fonctionnaires d'État. C'est toutes ces fonctionnaires d'État. Ce sont des fonctionnaires d'État que, oui, qui sont capables d'aider, superviser, aider, monter dossiers techniques, aider, etc. De manière à ce que pour nous capables de gagner efficacité dans ce qu'on a cherché. Organisation promotion défense droit monde défenseur plus mandé autorité concernée prend mesure nécessaire cap et de réduire quantité col ou bien faire en l'autre stupéfiant à chaque fois yo pas fait service en machine yo pas vérifier que tout bagage a bien fonctionné dans machine yo à chaque fois que y a utilisé téléphone pendant que y a conduit ou bien laissé au distrait pour l'autre bagage pendant que au sous volant à chaque fois que y a dormi ou bien yo fatigué y a prend route longue y a mettre vie par yo avec vie l'autre monde en danger. Nous avons chauffeur moto qui a conduit n'importe qui sur route pendant que les principales victimes ont été eux-mêmes, les victimes plus faciles. Sans compter que nous faisons perdre, chaque société a fait perdre chaque temps qu'il y a un accident. Parce que nous perdons du monde qui mourit, nous perdons du monde qui vient handicapé après un accident, qui ne vient pas jouir de l'épanouissement vraiment. Et il y a des gens dans la famille qui sont victimes, qui arrivent à quitter l'école ou bien travailler pour aller occuper un monde qui ne vient pas être tête ou rien après un accident. Ça fait nous venir sous point que les mounio fait accident, pas même bien l'hôpital qui vraiment capte en charge. Ça vraiment grave parce que accident a augmenté et moyen qui vient dans l'hôpital, alcool ou bien sous en quelconque stupéfiant, pour interdire véhicules qui passent dans bon état de circuler, pour interdire transport commun pour trop chargé, pour suspendre by permis pour moun à conduire, faire ou pas vérifier si moun ne conduit réellement. Et puis tout en fin de compte pour yo pas sécurité ou tout. Talent haïtien natif natal tonne dans tête collée avec réseau journaliste haïtien journaliste en santé RHJS annoncé vendredi 24 août la deuxième édition Rivière Froide en couleur cap réalisé sorti 24 pour arriver 26 août dans Rivière Froide spécialement dans localité Kyle Louis Jeune dans commune Carrefour. Activité socio-culturelle s'a déroulé sous thème nous prenons conscience nous faisons pas d'après Gladimi Ibrahim une responsable yo activité ça après l'occasion pour attirer attention autorités concernées sous état dégradation environnement dans rivière froide yo extrait dans micro qui visait attirer attention monde qui habite rivière froide à toute rivière froide et puis surtout l'état sous état rivière froide vient tourner journée jeudi à rivière froide nous connaît longtemps qui était qu'on a attiré un paquet de monde petit tout partout vient baigner vient faire les cives vient amuser et qu'on y a perdu possibilité ça parce que justement l'idée c'est pratiquement au dépôt à côté que moun marre bête moun fait besoin yo moun jeté fatra et la pire et festival ça qui a fait deuxième édition qui a fait un baptême nous prend conscience yon premier pas a fait 24 pour arriver 26 août 2020. C'est trois catégories d'activités. C'est d'abord une série conférence débat qui fait en prélude qui donc est fini. Nous avons commencé 19 et le bout de matin même. Et deuxième catégorie d'activité, c'est une exposition artisanale, c'est danser et la prier, c'est des DJ qui a joué, c'est tout des concerts musicaux. C'est un clip, c'est une invitation que nous faisons pour que Mounio puisse prendre conscience de la situation. Hein. De qui ça a gagné comme implication dans la situation nous gagnons jeudi à Rivière Froide là et qui ça a fait comme action pour que demain si Dieu veut nous gagnions une Rivière Froide qui en couleur dans le festival là.
Conseil professeur université publique Balatibonite dans Saint-Marc dénonce yon ensemble problème université a fait face tant qu'au problème bibliothèque. Différents membres conseil l'a présenté jeudi 23 août là yon ensemble revendication tant qu'au accompagnement pour étudiants professeurs yo ak infrastructure pour faciliter bon fonctionnement université ça. Nous proposons yon extrait et professeur Bernardin Larieux yon conseiller nan micro Rachel Saint-Fort à Kervé Pierre. Pas d'un côté qui a approprié. L'autre élément, songez qu'en fait, l'université publique en région, c'est des universités côté ensemble de personnel qui travaille là-dedans, c'est des surtout professeurs, c'est des professeurs qui sont dans différentes régions. Il y a une Port-au-Prince, Jacmel. L'autre université publique qui s'est offert, il y a des frais de fonctionnement, et de frais de déplacement et de frais de restauration à ces différents professeurs. Université publique en région pour Saint-Marc, ça n'a pas intéressé. Professeur Lagué pour ton tour. Ou obtenir seulement un salaire qui est à bas chaque un an. L'ensemble de professeurs que y a des contrats internes, ça veut dire que c'est l'université qui a payé. Parce que faut une saisie dans le groupe, c'est y a des contrats, il y a les ministères, parce que tout part pour ça. Mais dans le groupe, c'est par rapport à sa ministère, l'université a payé. Madame, monsieur, nous apprenons dernier pause nous dans le journal là. Le ville Jérémy, asphaltage yo avancé. Habitants yo pas suspendre saluer ensemble travail sa yo qu'a réalisé dans cadre des caravanes changement. Nous te suivions reportage sous état avancement travail yo dans le journal là. Chambre député a signé vendredi 24 août là un protocole accord avec Fédération haïtienne football pour 5 années pour supporter football femme yo. L'autre point de développer, plusieurs citoyens dans la capitale là fait un sit-in devant local la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif vendredi 24 août là. Objectif sit-in ça, c'était pour demander membres Cour des comptes yo publier rapport sous dossier Petro-Caribéa. Et puis office management et ressources humaines a préparé pour mettre sous pied un nouveau corps fonctionnaire public capoté non corps ingénieur et architecte. Nouveau corps ça rentré dans cadre réforme administration publique là. C'est tout ça on t'a développé dans le journal là et puis on t'a porté en pile d'autres informations pour vous. Merci à vous même qui t'a prêté nos attention, merci à tout le monde qui t'a rendu journal.